Bonjour, nous sommes les élèves de la 5e CIS. Nous allons vous présenter le projet commun de la classe, le projet Météo. Ce projet consiste à lâcher un ballon dans la stratosphère pour voir s'il y a du vent ou s'il y a du nuage. Ce projet comporte en fait deux parties. La classe en complet a donc été séparée en deux groupes. Le premier s'occupe de lâcher le ballon qui s'est élevé le 26 mai et le second groupe s'occupe de faire le projet Météo. Voici l'extérieur de la nacelle. La nacelle sert à contenir multiples instruments pour voir s'il y a de l'air au-dessus des nuages. La nacelle contient un capteur d'humidité ainsi qu'une caméra placée sur le côté de la nacelle. À l'intérieur de la nacelle, il y a un boîtier vert appelé Kikiri. Il sert à nous envoyer les coordonnées du ballon. Il y a une carte pour alimenter la caméra et des piles pour alimenter le détecteur de lumière qui est placé en haut de la nacelle et le détecteur d'humidité. Une carte oiseau sert à contrôler les mouvements de la caméra. Une autre sert à calculer l'humidité, la température et la pression qui sert à calculer l'altitude. Il y a un réflecteur radar pour prévenir les avions de la présence du ballon. Pour gonfler le ballon, il faut deux bouteilles d'hélium. Une fois le ballon gonflé, nous y avons attaché le parachute ainsi que la nacelle. Au moment du lâcher, il faut être très présent. Nous aurons les résultats vers environ 17 heures. Nous avons récolté les données dans la nacelle et nous les avons mises sous forme de tableau. Ce graphique représente l'altitude du ballon en fonction de la température de l'air. On remarque qu'au décollage, la température au sol était environ de 30 degrés. Puis au cours de l'ascension, la température de l'air diminue jusqu'à atteindre moins 40 degrés à 11 000 mètres. Puis l'air se réchauffe et le changement de couche atmosphérique. On passe de la troposphère à la stratosphère. Dans la stratosphère, la température augmente légèrement. Le ballon a éclaté à 17 mm d'altitude. Ce graphique représente l'altitude du ballon en fonction de l'humidité de l'air. On remarque que lors de la montée, l'humidité de l'air est entre 20% et 50% jusqu'à 6 mm, ce qui signifie dans les nuages. Les variations observées dépendent du nuage traversé par le ballon. Plus on monte en altitude, moins il y a d'humidité. Dans la stratosphère, l'humidité est stable entre 5 et 10%. L'analyse des données nous a permis de visualiser les couches atmosphériques et la propriété. Sur une carte, on peut suivre le trajet du ballon. Le point de départ était notre collège, qui est en bas, et à celui, il devait suivre le chemin rouge. Mais il devait exploser ici. Il a bien suivi le chemin au départ, mais il faisait plutôt prévu. Donc il a atterri là. C'était super de réaliser ce projet pendant toute l'année.